Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Cher Capricorne, me revoici. Donc, on a pour votre tirage, pour la période donnée, donc qui va aux alentours donc du 10 novembre jusqu'à la période du début décembre, pareil, aux alentours du 10 aussi. On a donc deux premières cartes qui nous parlent du présent. On a une carte ici qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a deux cartes finalement qui nous parlent de l'évolution de la situation, du futur. Et puis une carte ici qui nous indique ce qu'il y a eu sur le passé. Et donc ce présent-là est la conséquence de ce passé. Sur le côté, on a une plus petite carte qui nous donne l'ambiance dans laquelle vous évoluez sur la période donnée. Donc c'est une très belle carte là que vous avez puisque c'est le soleil. Ce qui amène en fait, parce que là je vois bon, différentes cartes qui sont un peu problématiques au point de vue de l'énergie, ce qui améliore en fait, ce qui adoucit avec cette carte d'ambiance les effets des cartes qui sont un peu plus problématiques déjà au départ. Alors, donc, avec ce soleil, ça veut dire que vous venez à bout justement d'une problématique. On parle de dépassement d'un problème, d'un tempérament que vous gardez optimiste. Et donc, ça vous réussit apparemment. On va rentrer dans les détails, mais apparemment, ça vous réussit quand même, malgré les difficultés dont j'ai parlé. Très 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 rapidement et qu'on va voir ensemble. En fait, je pense que là, ça veut dire qu'avec cette carte, que vous gardez la maîtrise sur des circonstances qui ne sont pas forcément faciles. Une situation où il y a quand même de la tourmente, voilà, vous arrivez à dépasser cette étape et vous allez vers peut-être un lien ou une relation plus harmonieuse. Alors, on va commencer avec la carte qui s'appelle le cadet. Et donc, on est sur le point du présent, hein. Et je pense que vous êtes prêt pour un nouveau départ, justement. C'est comme une reconversion avec cette période, enfin cette, non, avec une période d'apprentissage. Alors, ce ne sont pas d'apprentissage par rapport à une activité pratique, hein. C'est plutôt
des comportements, des attitudes, des façons de penser, des idées nouvelles que vous adoptez et d'autres que vous quittez parce que, évidemment, c'est un apprentissage. Donc là, il y a la possibilité de faire la part des choses entre ce que vous connaissez déjà, ce que vous utilisez déjà comme comportement dans votre vie sentimentale, relationnelle, et d'autres atouts que vous allez chercher à utiliser justement. Alors quand je parle de vie sentimentale, je le rappelle toujours, ça parle évidemment de la possibilité d'avoir une rencontre importante avec quelqu'un dont vous cherchez à obtenir des faveurs donc pour entrer avec beaucoup plus d'attachement dans un lien. Ça peut être aussi avec une personne de votre cercle amical ou de votre cercle familial, parce que c'est vie sentimentale d'une manière générale. Voilà. Alors, je continue toujours sur cette carte le cadet. C'est l'occasion pour vous, donc, de revenir à des fondamentaux, en quelque sorte. Vous êtes prêt à relever de nouveaux challenges sentimentaux. Alors, vous faites des plans, vous montrez votre indépendance, votre libre arbitre, votre liberté d'esprit et même votre liberté physique à agir. Et vous avez un esprit très jeune finalement qui vous porte, qui vous pousse et qui permet d'avoir une dynamique entraînante qui vous pousse vers l'avant justement. Vous avez de l'élan. Ensuite, on a le point qui s'appelle donc le point d'obstacle ou quelque chose à développer. Et je pense que ici, c'est à développer finalement. C'est plus à développer. Et on va dire l'obstacle, c'est plutôt une attitude. Donc en fait, l'attitude pour moi, ce serait l'aptitude à vous concentrer sur vous-même en cultivant. Donc, ce calme avec la carte la modeste, parce que c'est ce qu'elle représente, ce calme, cette paix, cette retenue en soi, dans les actes et dans les pensées, dans les mots émis, dans les conversations, dans les échanges. Le fait aussi de prendre soin de vous et peut-être en vous pardonnant une erreur. Des erreurs, je ne sais pas, une erreur en tout cas que vous pensez avoir fait. C'est en quelque sorte avec cette carte sur ce point-là précis, une guérison par une réconciliation déjà avec vous-même. Et on va voir que ça correspond finalement d'un certain côté avec cette carte du passé. Et donc il y a une continuation pour moi. Alors ensuite, on a la carte de l'éperdu. Donc sur l'évolution de la situation. Et dans ce prolongement de votre situation, on voit que vos sentiments sont, pour moi, exacerbés. C'est pareil, c'est toujours en lien. Les cartes sont en miroir finalement avec la carte de l'éperdu. Elle est en miroir avec la carte qui est en dessous qui s'appelle The Book. Je pense que là, ici, on voit que vos sentiments sont exacerbés. Vous avez totalement conscience, en fait, de votre fragile situation sentimentale, que ce soit de l'amour, hein, qui est, on va dire, en suspens ou pour un renouveau. Il y a une volonté de fidélité à vos valeurs, de fidélité peut-être vis-à-vis d'une personne à qui vous avez offert votre écoute, votre attention, votre amitié.
Et il en ressort de tout cela donc une grande volonté d'agir et de communiquer. Votre bienveillance, on voit que cette énergie a la volonté de transmettre de la bienveillance à tout égard, hein. Il y a de la passion, mais pas de la passion qui est comment, pas de la passion qui se voit de l'extérieur. Cette passion, elle est très intériorisée. Il y a une volonté de fusion émotionnelle dans l'air. Et ça, c'est très intériorisé. Ce n'est pas forcément exprimé extérieurement, justement. Il faut, pour le voir, pour le déceler, il faut vous côtoyer. Parce que ce n'est pas que vous voulez le cacher, ce n'est pas que vous voulez le dissimuler, c'est que vous êtes comme ça, à cette période-là. Sur le passé, donc, on y vient maintenant avec la carte qui est au centre. Alors, toutes les trois, vous voyez, elles sont renversées. Donc, la carte s'appelle He the Red River. Alors, ce personnage nous apporte l'information que quelque chose à l'arrière-plan de votre vie sentimentale, retient vos gestes, vos actions. Il y a quelque chose qui est à clarifier, à résoudre, mais à cette période donnée, donc dans ce passé donné, il n'y a rien qui, à ce moment-là, était encore assez mûr pour agir efficacement, et que ce soit dans un sens ou dans un autre. Simplement, il y a ce constat, mais l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Il a donc fallu, donc, je pense, patienter, observer, analyser. En fait, c'est un temps de parenthèse, observer, analyser, puis, et puis ensuite, simplement, plus tard, peut-être juste avant de passer à la période que vous êtes en train de vivre. Maintenant, semer, entre guillemets, semer des bonnes graines pour pouvoir en récolter donc le meilleur fruit. Alors, c'est-à-dire le meilleur fruit par rapport à une personne que vous avez à l'esprit, sans doute, et vous étiez dans l'attente d'être remarqué. Vous étiez dans l'attente par rapport à une préoccupation et que vous attendiez que cette préoccupation, pas forcément un souci, mais quelque chose d'important pour vous, s'arrête. Sur la suite, donc dans la conséquence, on a la carte du personnage qui s'appelle Himself. Donc, avec cette carte-là, d'une manière globale, je vais l'évoquer en deux mots, renouveau difficile. Alors, je rentre donc avec plus de détails parce que je vais dire qu'il faut faire attention avec cette énergie. Parce que c'est une puissante énergie qui, lorsqu'elle est à l'envers, surtout, voilà, parce que à l'endroit, ça va. Mais lorsqu'elle est à l'envers, la carte est renversée, elle peut être destructrice si elle est mal comprise et elle est mal employée. Et donc ici, elle nous dit que cette énergie nous dit qu'elle est bloquée. Il y a une sensation de vide. Une sensation qui pousse en fait à se freiner soi-même, à devoir tâtonner pour avancer et mieux se connaître, hein, mieux connaître les circonstances dans lesquelles on est. Il n'y a pas de retour par rapport à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce qui se passe dans le quotidien, dans notre vie sentimentale. Il n'y a pas de retour
qui se laisse lire, qui se laisse voir avec logique, avec clarté. En fait, il y a un ressenti d'oppression. C'est comme si toute l'énergie présente dans votre environnement, de tout ce que vous avez précédemment fait ou que vous êtes en train de faire, retombe à vos pieds de manière inexorable sans que vous puissiez intervenir dessus, un peu comme tout à l'heure sur le passé. Mais là, c'est différent. Là, c'est un peu plus fort. Donc, sans que vous puissiez intervenir dessus en votre faveur. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder le calme, d'être objectif, d'être le plus détendu possible. Sur le point suivant, on a la carte qui s'appelle The Book. Donc la carte est renversée, comme vous le voyez. Et là encore, c'est une situation qu'on est sans doute, je dis on, mais enfin, évidemment, c'est vous, cher Capricorne. Vous êtes sans doute incapable de résoudre en l'état actuel les circonstances. Alors en l'état actuel, évidemment, c'est dans l'évolution de la situation, c'est plus dans l'avenir. Et donc, dans l'état actuel des circonstances et même des événements. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà l'accepter, le reconnaître, ce qui va aider à trouver ensuite une solution, puisqu'il y a un lâcher-prise qu'il faut absolument avoir et qui va permettre presque immédiatement d'agir sur les difficultés. Et ce sont des difficultés qui sont en lien avec donc votre relationnel. Relationnel pris très largement parce que j'englobe donc, comme je vous l'ai dit, dans la définition de la vie sentimentale. Hein. Et là, il faut parler aussi de la vie, plutôt aussi des émotions. Alors, il faut continuer. Comme on vous l'a dit sur cette carte avec Himself, il faut continuer à cultiver le calme, la détente de soi, faire le choix avec sagesse, de reporter une action ou une décision si ça vous est possible. Parce que quelquefois, on est contraint d'agir et de prendre une décision et parce que ça ne dépend pas directement de nous. Et voilà. Mais dans l'absolu, avec cette carte ici, comme dans ce sens-là, il est bien conseillé de ne pas forcer les choses. Donc si vous êtes contraint justement d'agir, faites-le avec beaucoup de discernement, de sagesse et de diplomatie. Alors, on va prendre juste une nouvelle carte là et de l'autre côté sur le présent et sur la suite en fait. Voir si on peut. C'est surtout pour avoir le lien et voir comment gérer au mieux la situation. Alors, la carte du fou renversé ressemble beaucoup à l'énergie de himself lorsqu'elle est donc dans son sens inverse. Ce qui est très proche, c'est le fait d'avoir des risques, de ne pas arriver à maîtriser cette énergie et de se retrouver prisonnier
d'une situation que l'on ne maîtrise absolument pas d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue plus pratique, hein. Donc surtout, je pense qu'avec cette carte renversée, on vous avertit, on vous donne en fait comme une alerte de surtout rester dans la maîtrise de vous-même. C'est comme un avertissement, hein. Et dans la suite, donc ce sont avec le 6, 7, 7 de coupe, la possibilité d'avoir des choix différents à faire, des décisions différentes à prendre qui sont ici bénéfiques. On est effectivement dans la possibilité d'obtenir finalement une réconciliation avec, comme je l'ai dit, peut-être une personne particulière qui compte beaucoup pour vous. Il y a la possibilité justement d'avoir un développement totalement inattendu de votre situation et ce qui est tout à fait positif. Et c'est ce que amène justement cette carte, la carte du soleil, là, comme on en a parlé tout au début, tout au début. Et pour, si on parle par exemple d'amitié, il peut y avoir la possibilité d'une amitié qui est consolidée, d'un amour, là maintenant je parle d'amour, qui est consolidé. Après donc une séparation, on peut retrouver donc cette union qui est consolidée parce qu'on trouve le moyen de discuter ensemble. Il peut y avoir une relation qui est relancée sous d'autres. Sur d'autres bases, de nouvelles bases. Donc voilà, en fait, il y a le dépassement d'une crise importante dans le couple. Et là, ici, dans le présent, c'est le fait d'avoir à dépasser cette crise-là. Vous êtes au cœur de cette crise en ce moment. Là, en ce moment, il peut y avoir... Si vous êtes séparés ou si séparés, non pas juridiquement, mais séparés simplement comme ça, vous n'êtes pas ensemble, vous avez arrêté de communiquer parce que chacun prend sur lui et préfère s'éloigner pendant un temps. Et puis, je pense que dans ces cas-là, les sentiments ne sont pas partagés dans l'amour, dans l'affection. Donc voilà, ça, il y a des tensions. Dans la suite, on va prendre un autre jeu et on va regarder comment il nous apporte des informations sur votre situation avec ce qui domine. La synthèse, l'issue et un événement ou plusieurs événements ou une attitude sur laquelle il faut vraiment apporter toute votre attention dessus. Voilà. Donc, il nous faut quatre cartes. Alors, on a du succès, on a de la réussite par rapport à ce que l'on a entrepris dans notre, dans, je dis notre, hein, dans la vie sentimentale, par rapport à tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on souhaite aussi continuer à mettre en place. Les choses s'accélèrent, hein, les choses s'accélèrent finalement, et vous avez une belle réalisation qui arrive. Les résultats sont positifs, hein, par rapport aux engagements et à l'implication que vous avez, dans votre vie sentimentale. Il y a une mise en avant qui est importante.
il y a des discussions, oui, des discussions qui sont importantes. Ah, voilà, donc il y a un changement important. C'est comme si, en fait, il y avait, entre guillemets, une délocalisation du problème ou de la problématique première et qui vous permet de transformer votre situation favorablement. Il y a toutefois un choix à faire. Ben, le choix à faire, s'il y a une réconciliation, c'est ça le choix. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Très belle continuation. Au revoir.